Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Sherlock Holmes, chapitre 1, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Il est temps de récupérer l'éléphant. Non, mais c'est pas là. Ok, ça se place pas comme ça. Là. Il y a plusieurs endroits où que l'éléphant. Faut que je les vérifie, putain. Bon, mais il est où le premier? Au moins que je peux avoir un indice. Je me souviens que ce monument des pirates légendaires de Corbonal, le robin des Bois de l'île, te rappelles-tu, John? Oui, je me demande si qu'est-ce que c'est que ça? Main dans la main. Karim de la main d'argent, le pirate au cœur d'or, je t'avais bien dit que je me souvenais de lui. Hey Sherlock, en haut. Hey, devine. Ce que j'ai trouvé, une énigme qui parle d'un trésor et qui est... Écoute un peu. Quoi, John, tu t'es surpassé? Au sommet du monument était gravée la première énigme d'une série, toute entière, qui selon John, conduirait quiconque la résout au trésor perdu de la main d'argent. La première énigme, pour t'emparer du trésor que tu chasses, rends-toi là, où Erus Road et Crooked Street s'enlacent. Les yeux tournés vers la mosquée, par à gauche, t'entraîner des pieds, puis sur le passage, laisse-toi guider, non plus, où les vœux sont exaucés. Come on, Sherry, this is just like the old days, Sherlock and John. C'est ça, comme un bon vieux temps, Sherlock et John, sous les traces d'un trésor. Si bon, ça me tente pas. En eau et Sky Street dans la vieille ville. Non, c'est pas là. Non, c'est pas... Urus Road et Crooked Street. Elle est où la crise de... Erus et Crooked.
Ça semble pas être dans cet endroit-ci. Crooked Iris, Iris, Iris. J'ai deux rues à trouver, j'arrive même pas à les trouver, ça va bien. Si tu le vois, tu peux me le dire. Je pense que je me rapproche d'en haut, là, parce que là, ici, on dirait que j'ai rien. Excusez. Urus. Iris, Iris, Iris Laputus. Crooked. Ici. Calice de grande marche. Go forest, go forest, forest, go. Droit tout le temps. Oui. Bon. Le monument a été gravé les premières énigmes d'une série tout entière, qui selon John, hein, on doit qu'il compte résoudre le trésor. Qu'est-ce qu'il disait? Pour t'emparer du trésor que tu chasses, rends-toi au Urus Road et Crooked s'entrelace, les yeux tournés vers la mosquée. Pars à gauche, sans traîner tes pieds, puis dans le passage, laisse-toi guider, et puis où les vœux sont exaucés. Et où la mosquée? Crooked Urus. S'enlace. Passer devant. Ça c'est la mosquée? Non.
May I ask you something? Don't annoy me with your stories. Lasse-toi. Non, c'est ici quelque part. Il dit à gauche. Non. Pas loin. Oh, là. Et voilà. Le deuxième énigme, tâche de ne point faillir, l'heure est grave. Pour y sûr, cherche l'arche en roche près de l'épave. Des vieilles ruines, mais le cap sur l'Est. Sur celle qui protège les anciens sans demander son rein. Tabarnak. Tâche de ne pointer faillir. Tâche de ne point faillir. L'heure est grave. Pour réussir, cherche l'arche en roche près de l'épave. Des vieilles ruines, mais le cap sur l'Est. Sur celle qui protège les anciens sans demander son reste. So the treasure is real, but... Ça existe dans vraiment, mais dis-moi, John, comment sais-tu qu'il y avait ça? Je t'ai donc jamais parlé de mes talents de devin. Eh bien, j'aurais dû, je sais même où je devrais aller ensuite. Ok, mais dis-moi. Tâche de ne point faillir. Mosquée. Non, ça c'est une mosquée, on s'en fout. Ça c'est quoi? La tour. C'est des pans. Hein? Et on en regarde de nouveau, qu'est-ce qu'il dit. Pour réussir, cherche l'arche roche près de l'épave, les vieilles ruines, mais le cap sur l'Est. Tâche de ne point faillir, l'heure est grave. Pour réussir, cherche l'arche en roche près de l'épave. Où? Et l'arche en roche, déjà là, ça c'est calissement. Et ça, c'est du gossage supplémentaire qui donne à rien dans l'histoire. Ouais, c'est trop compliqué, tu dois avoir tous les... Je regarde sur la map, puis je regarde pour le... Cherche l'arche en roche. Faut que tu te promènes dans la ville, puis tu tombes dessus par miracle, puis...
Mais ici, il dit rends-toi. Non. Pour ça, je cherche l'arche en roche. Mais est-ce qu'il y a un arche en roche plus populaire qu'un autre? Ah, près de l'épave. De l'épave, ouais. Normalement, l'épave, c'est un bateau. Là maintenant, là, je l'avais. Okay. Que je suis en tout là, tiens. Ok. Par devant. Bah, on a droite. Bon, je suis là. Il a mis d'argent, le pirate de cœur. Il l'a jeté tantôt? Ah, oh, t'es con. Où suis-je? Pas encore plus, j'attends un peu. Il est tout droit. On tourne à gauche ensuite.
Et voilà. Tabarnak! Qu'est-ce que tu fais? T'es à côté, esti. Bon. Pas de chemin pour aller là. Ah, faut passer sur le... Faut passer sur le pan, je viens de comprendre, mais là j'ai pas de pan. Are you able to help me? Go back to work. Non, ça c'est où j'étais tantôt, je cherchais comment faire. Could you help me? Why don't you talk to your co-workers? C'est un rapport, ça. Ah, c'est là. Et puis quand j'ai ça, que ça me donne, je me... Tabarnak. Ça donne rien, peut-être?
chose que je comprends pas avec ce principe. Pour ça, il n'y a pas d'éléphant ici, tabarnak, je le verrais, là. La corne de brune de l'atelier naval sert à prévenir les grands navires. Ah. OK. Est-ce que je dois aller? Ouais, mais je vais aller voir quelque chose avant. Qui me parle de la corne. Est-ce que j'ai besoin de la corne? Oh! Bon. Ça marche. J'ai repris la corne de brume. Bon, j'ai aperçu un tissu pour la confession de poupée au site de fouille. Putain, faut que je retourne là-bas. J'ai aperçu un tissu pour la confession des poupées. Il n'y en a pas de merde. Ah là. Pourquoi je peux pas aller? Peut-être parce que je suis dans une bâtisse, foutais char. Un morceau de tissu. Il est là, lui. Papers, pen, torch. What are you doing? Ah, now I have to start over. Ceramics, skulls, keys. J'ai aperçu un tissu pour la confection de poupées au site de fouille.
Il y avait une caisse de bois entre-ouvert. En bas, en haut. Ah tiens. Merci, oui, ça. T'avais raison. Tous les preuves sont obtenues. Bon. J'espère que ma Nini ne se prendra pas sur les intentions. Bon. Que je vais maintenant. J'ai pris dessus. Nanana. Je possède désormais tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai plus qu'à rendre visite à Madame Nini au coin de Knight and Trinity Way. Quel adieu, j'espère qu'elle réussira à me confectionner une poupée. Bon. Rappelle-moi la rue. Placé sur la carte. Trinity Way et Knight et Trinity Way. Ah, ça c'est là. Madame Nini, c'est-tu pas dans ce bout de set, ça? Elle a dit où? Elle a dit où? La Trinity, elle est où, tabarnak? Déjà là, trouve la Trinity, si tu trouves. Caladio. Knight. On l'a déjà trouvé en plus, je comprends pas pourquoi il est pas indiqué. Qu'est-ce qu'il y a? Pas ça. Night. Trinity. Sors de là. I want to be famous, oui. I want to be a porn star famous. He's even been putting up posters. Bon, Madame Nini de ta gauche. Ah, Seigneur, vous avez montré la police comment faire ce travail et elle a fini par arrêter ce voleur, bien sûr. Que je vais vous aider. Que voulez-vous exactement, une poupée pour enfants comme celle dont raffole ma petite nièce? J'aurais une poupée un peu plus grande que d'habitude. Seigneur, soyez plus clair, vous voulez un garçon, une fille, un animal peut-être? De quelle couleur? Un animal, animal passionné, peut-être même amoureux. Ah, Seigneur, basta avec tes devinettes, la vieille femme que je suis a déjà tout vu dans sa vie. Dites-moi ce que vous voulez. J'ai besoin d'un éléphant grandeur nature. Ah, Nini, c'est vraiment son passé ce coup-ci. Est-ce que c'est une queue?
C'est une trunk job, mais je suis d'accord avec toi, il s'agit. Eh bien, ne perdons pas de temps. Bon, où est-ce qu'on va maintenant? Désormais, en possession d'un super poupée d'éléphant, il me faut tester plus que la gonfler grâce au réservoir de gaz de rouille situé dans le cours des Galden. Ok. Ça donne pas beaucoup d'informations, hein. T'as besoin de savoir ce que tu t'en vas. À moins qu'il y ait une façon plus facile, c'est moi qui est trop. Je m'en aperçois pas, là. Bon. Et la partie commence. Bon, quel est ton plan? J'espère que tu sais ce que tu fais. Nous avons un éléphant à la recherche d'une femelle. Nous allons l'aider. Une poupée à l'odeur appropriée pourrait faire un miracle. Tu veux jouer les cupidons? Une idée aussi romantique m'étonne de la part de Cher. Cher, ne fais pas mieux d'oublier nos nouveaux amis Nab et Laura. Mais quand tu pars sans la trilogie, t'amuses à me torturer ainsi. Ce sont tes amis, John. Moi, j'ai une affaire à résoudre. Comment tu veux, mais je suis sûr que tu regretteras. Un peu désinvolte. Tout ce que Goliath veut, c'est une femelle. Je suis sûr que celle-ci sera à son goût. Donne pas confiance. Sommes-nous prêts? Cette tension est insoutenable. Nous sommes appelant l'éléphant. On va faire grise mine tout seul quand on peut voir la vie en rose à deux. Qui pourrait résister? Voilà quels sont les deux autres vœux. C'est une dame qui a dit ces mêmes paroles. Fais-moi vivre une nuit inoubliable. C'est dommage que je ne suis pas un éléphant. Si tu es un poulet, je te bécoterai volontiers. Ah, yeah. Ah non, ok, c'est pas ça. Take your time, Sherry. Sans tuteur, sans la tempête sensuelle, sans de la tempête soumise. That deserves a slap, and then a kiss. And here's our last. Y arrive, tabarnak. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi l'avez-vous amené ici? Je ne le permettrai pas. Je vous assure qu'il ne s'agit qu'une mesure temporaire. Cet éléphant sera reparti sous peu. Vous avez ma parole. Bon. Je demandais à localiser les trois œuvres composées de la trilogie. Par Wallace de Harum, j'ai trouvé le premier opus dans la chambre de Gunden. Ça me prend digne du caniveau joué de manière incompréhensible d'une grande popularité auprès du public. Je suppose que je peux au moins essayer de comprendre la raison d'un tel engouement. J'ai mis la main sur la dramatique conclusion de cette trilogie. Je me demande si le troisième serait pas ici. Pas trop fatigué, Gwen? Est-ce qu'il y a un livre ici, quelque part?
Et voilà. J'avais dit, hein. Et voilà, de la peur, la voix de la peur, j'imagine qu'il en faut pour tous les goûts, y compris ceux des champions. Ah, que pensez-vous de cette trilogie? Très bien, monsieur l'expert dans la littérature. Qu'est-ce que ces livres de bas étage ont de si important? Ce n'est qu'il serait parfait. Toutes les questions d'inspiration, j'ai un plan. Es-tu prêt à m'écouter? J'aimerais répondre à la négativité, mais vas-y. Parfait. D'abord, nous attrapons un singe, un langueur par exemple, puis nous prenons un peu de sang. Pardon, mais pourquoi? Pour accéder à la jeunesse éternelle, je suis à page 127 du second tome. Ça n'est plus cassé. Oh, attends, et si nous faisions une statue de cire? Je ne t'écoute plus, John. Bon. Bon, je disais. Possède désormais en possession de l'une des super poupées d'éléphant, blablabla. Un petit peu d'ingéniosité, et voilà, l'éléphant sorti de sa cachette. Ok. Ça me donne quoi? Défi de John Rapport. Oh, c'est rien pour faire ça. Pourquoi je l'ai trouvé? Parce que je me disais que c'était des deux sites. T'as deux personnes que tu soupçonnes. Le mari de la femme et qui était dans l'usque des bateaux, un endroit principal. Et l'autre endroit principal, l'usque est l'archéologue. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. C'est très pour un animal domestique. Et mais je l'ai, le style d'éléphant. Qu'est-ce que je fais maintenant? Là? Genre la femme. Là. Je suis pris. Ah non, je peux cliquer sur l'éléphant. Va. Il est blessé tout seul pendant qu'il fuyait dans la forêt. Bon. Tranquille et obéissant, presque un gentleman. La défense gauche est de plus grande et plus usée, monsieur est gaucher. Rien, c'est pas. Il y a une fléchette là. L'aiguille qui contient quelque chose. Une fléchette à plumes. Voilà qui semble prometteur. Bon. Preuve clé obtenue. La découverte d'une fléchette dorée dans le flanc. Bon. 3. Un tabarnak. 3 moins 3. À moins 3. Shit. Après moins 4, ça marcherait pas. Ça aussi, je fais ça. Ça. Et ça.
Ah, ça marche pas. Moins 4. Comme ça, 3 moins 2. Et 1 plus ça. Non, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Hey, ça reste plus de campier que je croyais. Là qu'on est rendu dans les... Multiplie la valeur relative par 2. Décrément réduit les valeurs relatives. Moins 3. Et là, si je fais ça... Tu as plus 2? Il y a plus 2, mais il n'est pas utilisé. Et là, je l'ai. Bon. Qu'est-ce que je fais avec ça? Arthur Swift et Paul Pierce puissent disposer tous deux de quoi tirer sur une fléchette sur l'éléphant. Ouais, ça m'aide pas beaucoup, ça. Oh! Une certaine personne a délibérément tiré sur une fléchette empoisonnée sur Goliath pour pousser à attaquer Gildan. Tierce personne a essayé de protéger Théodore Gildan en tirant une fléchette empoisonnée sur l'éléphant. Goliath a tué son maître.
Theodore Gilden a nourri et pris soin de l'animal. Sa nature sauvage, non. Goliath, c'est un animal sauvage. Et ceux-ci gardent en captivité sont responsables. Okay. Mais si je bouge ça, qu'est-ce qui se passe? Oh. Goliath a tué Théodore. Goliath a tué... Mais pourquoi ça serait pas... La fléchette qu'a reçue Goliath peut être provoquée chez la bête un violent accès de rage. Goliath l'éléphant a peut-être attaqué Théodore Gilden pour pouvoir s'échapper de son enclos. Arthur Swift a utilisé l'éléphant pour tuer son ancien partenaire, Théodore Gilden. Arthur était prêt à sacrifier la vie d'autrui pour son propre bien. Une telle cruauté envers un être vivant mérite un juste châtiment. Arthur Swift est une victime de la cupidité de Théodore Gilden et essaie seulement de protéger l'histoire. Ok, bien pas fou non plus. Là. Arthur Swift a utilisé l'éléphant pour tuer son ancien partenaire, Théodore Gilden. Arthur était prêt à sacrifier la vie d'autrui pour son propre bien-être. Une telle cruauté envers les êtres vivants mérite un juste châtiment. Non, c'est ça la conclusion. Carlis. Plus sur B maintenant. Toutes les preuves obtenues, qu'est-ce que je fais? J'ai trouvé une fléchette logée dans le flanc de Goliath. Il y avait des traces de substances inconnues à l'intérieur. Il y avait des restes de strychnine dans les fléchettes, assez pour tuer un homme, mais en quantité suffisante pour abattre un gros animal. Au contraire, la fléchette a sûrement énervé l'éléphant et provoqué un accès de rage. Décule plan, ses forces. A-t-on tiré sur un éléphant avant ou après la mort de Théodore Gilden? Est-ce important? Palais montage, je vais où là? On va voir la femme en haut, voir. Vous aviez raison. Vous avez raison, Goliath. Tout le monde confirme vos dires en affirmant que seulement les farouches. L'animal était un concentré de 2 tonnes de rage, et M. Gilden n'avait hélas aucune chance contre lui. La saison des amours n'a fait qu'empirer son tempérament. Ah, ce n'était pas un contrat de tel détail, merci, je n'avais pas besoin. À quoi est votre conclusion en même temps? Que comptez-vous faire de cette découverte? M. Gilden, je suis conscient que votre aversion pour l'éléphant, cela va bien au-delà des aversions. Vous ne voulez pas savoir tout le mal que souhaite lui infliger, mais la bête est innocente. Goliath n'avait pas l'intention de tuer votre père. Il était affolé, effrayé et en pleine saison des amours. L'erreur de votre père fut de croire que Goliath est complètement inoffensif. En agissant ainsi, il a provoqué son agressivité. Arrêtez, je connais déjà la réponse. J'ai nul besoin de point de vue moralisateur sur cette situation. Je ne sais pourquoi vous avez gâché votre temps ainsi. J'ai agi de manière plus concrète. Que vous voulez dire, Madame Gilden? Un homme à portefeuille bien garni m'a proposé d'amener l'éléphant loin d'ici. J'ai accepté de dire que dans ma naïveté, je pensais que c'était moi qui étais incapable. Alors, que vous n'êtes. Je suis heureux d'apprendre que l'éléphant ne vous causera plus de soucis, mais je dois m'assurer. Je n'ai que faire de vos paroles. Je ne veux rien entendre. Ok, bitch. Je ne pensais jamais vous revoir. Et pourquoi? Je sais qu'il est dans les habitudes britanniques de disparaître sans laisser de traces, mais je n'avais jamais fait ça. Alors pourquoi avez-vous ramené cette bête sale puis ici? Pourquoi ne vous êtes-vous pas assuré que ce sont juste châtiments? C'est moi qui ai à m'en occuper, moi et pas vous. J'étais en train de reconstituer le meurtre de votre père. Mais il n'y a rien de vivant situé, je vous l'ai dit. C'est que Goliath est coupable. Je ne vous ai jamais demandé de mener une enquête, mais de retrouver ce stupide animal. Mais si ces efforts sont inévitables, ça signifie que je n'ai rien fait.
Je n'ai pas la force de débattre avec vous. Voilà. Les objets ayant appartenu à mon père, ils concernent votre mère. Prenez-les et laissez-moi tranquille. Je ne vous le ferai pas perdre une minute de plus, Madame Gilden. Okay. Affaire terminée. Mon cher Théodore, tu sais que j'estime notre amitié plus précieuse que la plupart des autres liens pouvant unir deux êtres humains. Mon âme, comme la mienne, est sujette à être même ébullition permanente qui se considère comme bénie de savoir à quel point tu m'acceptes. Tu m'acceptes de me soutenir. Je suis jamais reconnaissant de ce coup du destin qui a poussé Sigère et moi-même à rejoindre la même expédition que toi. Ma vie s'en est vue changer pour le meilleur. Néanmoins, je suis si aveugle et si hypocrite, je sais que les sentiments que tu nourris à mon égard sont désormais plus profonds. Pardonne-moi, Théodore, mais je ne les partage pas. Je me dois de t'épargner la douleur d'un amour non réciproque avant qu'il ne soit trop tard. Tu trouveras ci-joint le colis que tu m'as si dédicacement offert en souvenir de notre aventure passée ensemble. Je ne peux plus continuer à la porter à la conscience légère. Je sais que le mal que cette lettre t'infligera est pour ce mal. Je ne peux que sincèrement m'excuser, Karn. Mon cœur demeure auprès de Sigère, qui ignore encore tes désirs. Si serait-ce signifie pour nous la fin d'une amitié, je te comprendrai bien. Mais j'espère qu'avec tout mon âme, que nous pourrons continuer à partager des mêmes conversations, collaborations et gentillesses qui m'ont apporté tant de joie au fil des nombreuses années. Avec mon plus sincère respect, Violette. Ma mère portait toujours du cou autour du cou jusqu'à ce qu'il disparaisse un jour. Je demandais où il était passé. Elle affirmait que c'était un cadeau d'anniversaire de la part d'un ami. Oh. Près du miroir. Je viens de me remémorer une bride de souvenirs, John. C'est très vague, mais je sais que ça s'est produit à l'intérieur du manoir. Enfin, je vais progresser. On y va. Le souvenir me revient à l'esprit. Je vois la main. Quelqu'un caché une clé dans la poche et une porte qui se referme sur une silhouette féminine. Cette porte se situe quelque part à l'étage et un large miroir. Non, c'était tout pour l'aventure du jeu. Sherlock Holmes, chapitre 1, live. La chaîne du caribou canadien. Oh yeah!